Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène à Bricodé pour faire un petit tour du côté des cuisines. Je vais vous montrer toutes les cuisines qu'on peut retrouver en stock, donc disponibles en magasin. Je vous refais une vidéo parce que voilà, il y a eu des petits changements du côté des prix. Ça a augmenté un petit peu et j'ai envie de vous dire, moi malheureusement, c'est comme ça. C'est un petit peu partout pareil. Voilà, mais ça reste quand même. Ça reste quand même vraiment pour moi les meilleurs du marché, ça c'est clair et net. Ils ont un très 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 bon rapport qualité-prix, sachant que leurs cuisines sont garanties 25 ans. Voilà, je vais vous expliquer vraiment tout, vous montrer donc le prix, le modèle exposé, le prix du plan type, comment ça fonctionne, etc. Je vais commencer du coup par la cuisine la moins chère qu'on peut retrouver. Donc c'est la Balsamita, ok, elle est blanche. Sachant que la Balsamita elle existe de deux couleurs. 289 euros le plan type. Donc le plan type c'est ce que vous voyez ici en photo. C'est-à-dire que vous avez, enfin photo, vous avez les façades, vous avez les caissons, pieds et étagères inclus, il y a les charnières standard, mais il n'y a pas de plan de travail, il n'y a pas d'électroménager, il n'y a pas la robinetterie, etc. C'est vraiment que les caissons avec les portes en gros. Et voilà, le plan type ça va venir vous servir un petit peu de base. Vous allez voir, grâce à ça, vous pouvez comparer entre telle et telle cuisine, savoir quelle est la moins chère, quelle est la plus chère, etc. Ou même dans d'autres enseignes, vous savez que voilà le plan type, voilà, c'est ça, 289 euros. Alors attention, dans d'autres enseignes, parfois le plan type est différent. Tiens, ça c'est nouveau. Il n'y avait pas, ça c'est vraiment génial. Je vous propose là de voir tous les accessoires, les petits détails qu'on peut retrouver et qu'il n'y a pas forcément ici, vraiment tout, tous les accessoires pour ranger les verres. Ah, ça c'est pas mal aussi. Regardez. Celle-ci elle est à 12,90 €. Parfois vous voulez rajouter des petits accessoires pour avoir plus de rangement. Voilà. Mais ça, vous savez, peut-être que je vous ferai peut-être une vidéo un jour. Hein. Spécial accessoire spécial rangement cuisine intérieur. Et je vous proposerai tout ça, tout ce qui est poubelle. Vous voyez les poubelles, c'est vrai que je savais même pas qu'il y en avait ici. Poubelle de cuisine, 79,90 €. Du coup, je reviens sur la cuisine en elle-même. Donc la Balsamita, c'est celle-ci en fait. Celle-là. Il y a les caissons. Voilà, il y a les caissons comme ça. Donc après, c'est vous qui choisissez si vous souhaitez des caissons, est-ce que vous souhaitez des portes et tout. Voilà la cuisine. Au-dessus, ça donne ça. Avec le meuble d'angle. Voilà, donc là, c'est un modèle exposé. C'est vraiment pour vous donner une petite idée, hein. 1498 euros. Après, vous pouvez prendre vraiment les dimensions. Enfin, vous venez avec vos dimensions et vous allez voir avec un conseiller. Vous pouvez également prendre un rendez-vous maintenant. Ça, c'est nouveau aussi chez Brico Dépôt. Prendre un rendez-vous pour faire un plan 3D. Donc, venez bien avec vos dimensions, etc. Au moins, c'est pratique, quoi. Un plan 3D, on arrive vraiment à se projeter. Voilà. Et j'ai aussi souvent des questions qui reviennent en commentaire en me disant est-ce que je peux prendre par exemple qu'une porte ou qu'un caisson ou deux ou trois. Vous faites comme vous souhaitez. Voilà, sachant que je crois qu'ils ont des caissons de 60, de 40 et de 80. Si je dis pas de bêtises. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc celle-ci, voilà, comme ça, et le modèle en haut. Donc là, c'est un modèle qui coûte 1498 euros. Donc là, ils ont mis le plan de travail en bois, la crédence pareil. Mais après, c'est vous qui voyez. Hein. Ça, vraiment, c'est vraiment pour vous donner des idées. Mais après, vous faites comme vous le souhaitez. Les crédences, elles sont là. J'ai fait une vidéo déjà spéciale crédence, spécial plan de travail. Voilà, il y a tout un choix ici. Et là, c'est pareil. On a plusieurs plans de travail. Par contre, ils n'ont pas l'effet marbre. L'effet marbré, si vous le recherchez, il n'y en a pas chez Brico Dépôt. Donc après, on a la même, on a celle-là aussi. Celle-ci, pour le coup, elle n'a pas de poignée. Mais c'est exactement la même. C'est la Balsamita en gris. Elle est aussi à 289 euros le plan type. Et après, pour le modèle, ça donne ça. Et là, elle est à 1669 euros. Casserolier. C'est pas moi, je dors pas, je dors pas.
Et après, il y a pas mal de systèmes de rangement. Donc là, par exemple, on a le casserolier comme ça, avec d'autres tiroirs. Je continue ici avec la gamme Stevia. Alors, Stevia, c'est une finition laquée. Hop. Elle existe aussi de différentes couleurs. Il y a blanc, il y a rouge et il y a gris, il me semble. Donc, hop, là, ils ont mis. Ils ont mis les petites poignées comme ça, effet bois. Bon, honnêtement, je suis pas très fan. Je trouve que ça alourdit la cuisine. J'aime beaucoup, par contre, le plan de travail comme ça en bois. Très joli. Voilà, donc vous avez ce modèle-là. Le plan type coûte 339 euros. On retrouve toujours le prix ici, 339. Et voilà pour le modèle exposé, 1795 euros. Donc comme je vous ai dit, soit vous venez en magasin, vous arrivez à choper là, enfin vous chopez un conseiller. Si vous savez directement ce que vous voulez et tout ça, vous pouvez faire un point avec eux, etc. Sur les dimensions et tout, ils vont tout vous donner. C'est juste derrière, de l'autre côté, vous prenez tout, vous partez. Sinon, vous avez la deuxième solution, comme je vous ai dit, vous prenez rendez-vous ici en magasin et vous venez faire un plan 3D pour avoir vraiment le plan 3D. Sinon, vous pouvez également le faire de chez vous, le plan 3D, sur votre ordinateur, sur leur site hein, bricodepot.fr. Donc là, la cuisine Stevia rouge, elle est à 379 euros. Elle est un petit peu plus chère que la blanche. Vous voyez, 379 euros. Et le modèle exposé coûte 1780. Voilà. Donc là, par exemple, ils ont mis le système là, comme ça, push-up. Hop. Donc là, il n'y a pas les poignées. Et on a ici la Stevia en gris anthracite. Donc elle coûte 339 euros pour le plan type. Et modèle exposé, 1584 euros. Voilà. Après, à côté, on a la Artemisia. Elle est trop belle, hein. On dirait qu'elle a des petites moulures. Voyez. Hop. Donc elle est en blanche. Elle existe aussi en bleu. Vous pouvez très bien les mixer d'ailleurs. Mais comme toutes les cuisines, hein. Vous pouvez très très bien faire le bas en gris, le haut en blanc. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, l'Artemisia coûte 429 euros pour le plan type. Pour le modèle exposé, 1702 euros. Ensuite, vous avez la bleue. La bleue, modèle. Le plan type, pardon, est à 459 euros. Le modèle exposé est à 2151 euros. Concernant tout ce qui est livraison, montage, etc. Il propose un service qui est en partenariat avec Nidelp. Là, c'est un service qui est payant. Selon les dimensions de votre cuisine, voilà, ils vont venir vous faire directement un devis ici, je pense. Et ils peuvent venir vous la poser, etc. Mais c'est un service qui est payant. Mais c'est quand même un coût. Parce qu'il me semble qu'à un moment donné, ils avaient affiché les prix. Par exemple, pour monter une cuisine de ce style-là, je crois, il me semble, hein, que c'était, je crois, dans les 500 euros, 600 ou peut-être 700, je ne me rappelle plus. Mais voilà, c'est un service qui est payant. Après, livraison, ils font pas de livraison, mais peuvent vous prêter donc un camion pendant 1 heure, il me semble. Je crois que ça va passer à 350 euros d'achat. Vous avez le droit de demander un camion. Voilà. Sinon, ils font pas de pause eux-mêmes, ils font pas de pause de cuisine. Voilà. Donc là, c'est la Garcinia. La Garcinia, elle existe comme ça, donc de couleur blanche. Elle est aussi en gris anthracite. Donc là, 429 euros le plan type. Le modèle exposé, 1614 euros. Vous voyez, vous pouvez mettre ces portes comme ça vitrées, si vous le souhaitez. Et ces portes-là, elles passent avec tout, enfin, vraiment avec tous les modèles. Et elles y sont aussi en noir fumé. Je vais vous les montrer dans un autre modèle après. Donc là, 1614,70 €. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin de poignée. On a ici cette petite rainure qui vous sert de poignée comme ça. Voilà, franchement, les casseroliers, les amis, c'est la base. Je vous conseille fortement, franchement, d'en mettre partout. Parce que ça vous évite de. Moi, je trouve que ça évite de se baisser, de fourrer la tête là, dans les placards. Par exemple, là, ce qui est au fond, on ne le voit plus après. Enfin bref, c'est tout un. Moi, j'aime beaucoup les casseroliers. Ça vient à vous. Là, vous avez tout, vous avez vos casseroles, vous pouvez mettre aussi vos assiettes, les verres, etc. Enfin bref. Donc voilà. Sinon, donc le modèle en gris anthracite, il est juste au-dessus.
Il est à 429 euros également et 1719 euros pour le modèle exposé. Voilà. Sinon, par ici, on a la gamme Alpinia, imitation chêne clair. Le modèle là coûte 379 euros. Voilà, pour le plan type. Et pour le modèle exposé, 1861 euros. Oui, ça c'est déco. Ah, la fameuse poubelle. C'est pas mal ça. D'accord. Voilà, donc là, il y a encore des rangements casseroliers comme ça en dessous. Je vous montre un autre modèle ici en effet bois. C'est la Pachira décor imitation bois. Donc le modèle coûte 469 euros le plan type. Et pour le modèle exposé, là on est à 2005 euros. Je vais reculer un petit peu pour vous montrer comme ça. Voilà. On a des systèmes d'angle. Donc là je sais pas s'ils en ont mis. Non, pas dans celui-là. Je vous montrerai dans l'autre. Ah bah si, voilà, il est là. Vous avez ce système d'angle rangement coulissant qui sort jusqu'à vous. Vous voyez? Hop. 89 euros 90. Donc là, pour le modèle exposé, 2005 euros et 30 centimes. Ensuite, on a ici ce modèle-là que j'aime beaucoup, vraiment énormément. J'aime trop. Hop. Donc là, c'est le pastis à blanc à 2458,80 euros, le modèle exposé. Sinon, pour le plan type, c'est 479 euros. Voilà, 479 euros. La pastis à blanche, elle existe aussi en noir. Et là, franchement, je trouve que les petites poignées dorées, le plan de travail en bois, ça se marie super bien. Voilà, donc là, on a des petites poignées dorées ici. Ouais, c'est vraiment pas mal. Casserolier. Et là, on a donc le petit tiroir à épices. Et puis surtout, ça sert aussi quand parfois vous avez un petit espace pour combler. Ça, c'est génial. Après, on a également la pastille en noir comme ça. Alors là, les noirs, ils ont mis des petits détails cuivrés. La crédence aussi cuivrée. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. J'ai du mal à filmer à mon aise. Il y a beaucoup de personnes qui viennent voir la cuisine. 479 euros la pastille noire, hein, le plan type. Donc là, il y a une grosse colonne. Je vais pouvoir vous montrer. Hop. Oh là 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 là. J'ai toujours peur quand j'ouvre ce genre de tiroir de porte. Je sais pas, ça me fait le tournis. Mais c'est tellement pratique, franchement, honnêtement. Surtout là, là, regardez. Vous avez tout qui sort à vous. Vous mettez tout ce qui est poids, provisions, etc. C'est génial. Donc ce rangement coulissant coûte 299 euros. Voilà, juste pour vous donner une petite idée. Et hop, mais c'est top du top. Donc là, il n'y a que des tiroirs. Donc là, je ne sais pas s'ils ont mis un système d'angle par là. Ils ont remis le même. Mais on a un autre modèle aussi. En haut, ils ont mis ces portes-là. Sachant que là, vous avez des lumières en fait. Et vous pouvez allumer et éteindre juste comme ça. Et on peut aussi varier. La lumière en fait, blanc chaud, blanc froid, etc. Voilà, ça donne ça. Il y a également ce genre de rangement qu'on peut mettre sous l'évier, vu qu'il y a tout ce qui est tuyauterie, etc. Donc vous pouvez mettre par exemple un tiroir comme ça. Bon, bah, certes, vous n'allez pas mettre grand chose, mais pourquoi pas peut-être vos chiffons microfibre, vos éponges. Hop. Après, ici. Vous pouvez mettre aussi vos produits, etc.
Et vous pouvez même en rajouter un en dessous hein, si vous le souhaitez. Après, on a les tiroirs standards comme ça. Regardez, nos tiroirs supportent une charge de 35 ou 50 assiettes. Voilà. Il y a également ce système d'angle là qui est pas mal. Donc là, ça sert comme ça. Voilà. Et après, on a également les systèmes comme ça où la porte s'ouvre en double en fait. Vous ouvrez, ça s'ouvre comme ça. Comme ça. Oui. Hop. Ensuite, il y a celle-ci. Je vous en ai parlé ou pas? Non, je crois pas. C'est la Shia. Donc, je vous ai montré en clair. Là, c'est chaîne gris. 299 €. Donc là, ils ont mis les portes noires fumées comme ça. Canon. Franchement, c'est canon. Là, c'est un caisson avec deux portes. Ensuite, voilà, celle-ci. Voilà, pas mal de rangements, les petites poignées. Franchement, je la trouve trop belle, celle-ci. Effet chaîne gris. Avec plan de travail et crédence en noir. Donc, le modèle exposé coûte 2 602 €. Voilà. Pour résumer, vous avez tous ces modèles-là de dispo en magasin. La base d'Amita, elle est également disponible en gris, voyez. Ah ben oui, la base d'Amita, c'est celle-ci, autant pour moi. Donc voilà, je vous ai montré tous ces modèles-là, tout cela. Et normalement, il y avait encore d'autres modèles qui étaient disponibles sous 14 jours en les commandant, mais en ce moment, c'est plus possible. Vous voyez, ce produit n'est plus disponible à la vente. C'est en rupture de stock, en ce moment, ils les ont carrément... Voilà, donc pour le moment, vous avez ces 15 modèles en stock. Voilà les amis, on a fait tout le tour des cuisines. On a ici aussi les poignées. Ah, celle-ci, j'aime trop, les dents brossées. Elles coûtent 17,50 €. Il y en a deux, ok? Ouais, franchement, elles sont très très belles. Donc voilà, il y a un large choix aussi de poignées. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite un très bon dimanche et puis je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.